Peter Kyusu, na bota mina Irland, na beta na Oxford, na Angleterre, na gauche défenseur. Abana banda il faut napesa merci à Zambie parce que Zambie a guidé ngai na comme ma place na lelo. Obviously na singo mingi na za awa na mboka na ngai pe ya eloko ya makasi kwa na famille na ngai pambo na ngai na beta kwa na équipe na ngai mboka na ngai pe so na singo mingi na za awa. Kocha bien ngai vendredi passati abinga kinga ya lubaki na ngai alinganga na ya na zali na singo mingi zali zilangu parce que ndenge na lobby kubita pona équipe nationale de Congo ya eloko ya trop fort pona ngai pona famille pe so na singo mingi na zala awa na ebi pona zala na sala elo nyoso na koki na sala pona na aide équipe na mboka pe pi the manager called me Friday that passed, and I was very happy. Something I've been waiting for a very long time, and yeah, just like for me to be here now, play for the country. I know that I'm ready to give everything I can for the team and for the country as well. L'ambiance est très bien. Dans le club on a le Dylan, dans le club on a Awa, dans mon ligne il y a famille, batignon so, staff il y a bas coach, na bas joueur, batignon so bas famille. Ningi ba yambingai eza ya très bien so pona ngai na ebi na kokina concentré na foot now obviously I'm very happy to be here obviously it's a great country and this is my country and happy to play for Congo I'm ready to give everything I can for the country and for the team obviously. Le lâche ne commence jamais, le faible ne termine jamais, et le gagnant n'abandonne jamais. Philippe Knight. Éliminatoire CAN 2025, Sébastien de Sabre croit en la victoire de la RDC face à la Tanzanie, rapporte Radio Okapi. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien de Sabre a dit, mercredi 9 octobre, être confiant en la victoire de la RDC face à la Tanzanie au stade des Martyrs de Kinshasa. Il l'a dit quelques heures avant cette rencontre, comptant pour la troisième journée du groupe H des éliminatoires de la CAN 2025. L'objectif est de se qualifier au bout de 6 matchs. On est bien lancé dans cette campagne. Il nous faut 10 à 11 points pour se qualifier. On en a 6 actuellement. On prépare les matchs les uns après les autres pour être plus performant possible, a fait savoir Sébastien de Sabre. Le technicien français affirme compter sur le public congolais à qui il demande de faire le déplacement au stade pour soutenir ses poulains. Il a également recommandé à ses joueurs de faire preuve de vigilance devant une nation qui n'a enregistré aucune défaite sur 5 matchs disputés. Pour sa part, le coach de la Tanzanie, Ahmed Morocco, a rapporté qu'il reconnaît la performance de la RDC mais affirme que ses joueurs vont tout donner pour faire un bon résultat. Nous savons bien que la RDC est en train d'enchaîner des performances au niveau africain. La RDC a de très bons joueurs mais elle a aussi des difficultés qu'eux-mêmes connaissent. Nous sommes concentrés pour faire un bon résultat. Ça sera difficile mais nous allons tout donner pour faire de bons résultats, a-t-il souligné. La dernière fois que la RDC a rencontré la Tanzanie, c'était en CAN joué en Côte d'Ivoire et là ils avaient fait match nul. Ministère des Sports et Loisirs RDC. Futur accord de partenariat avec l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas.
Voilà. Parce qu'après, c'est à vous de décider aussi. Alors, ça, juste pour vous expliquer, ça, c'est le maillot que l'on a, maillot à domicile. Okay. D'accord? Avec, ça, sont les couleurs officielles de l'Olympique Lyonnais, le blanc avec le rouge et le bleu, mais là, qui signifie le rouge, c'est le Rhône, le bleu, la Saône, qui sont nos deux rivières, qui après se rejoignent, et c'est ce qu'on appelle la confluence des deux fleuves. Donc voilà, là, vous avez avec, donc cette première proposition, Le prochain joueur, vous êtes le numéro 10, niveau. voilà, avec destination RD Congo, ou, voilà, et... Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbou, a reçu dans son cabinet de travail une délégation des dirigeants du club français Olympique Lyonnais, représentée par son directeur général Laurent Prudhomme et son directeur du développement commercial Cyril Grosle. Message X du ministère des Sports et Loisirs RDC. Dadou Etambé, âgé du complexe Omnisport Stade des Martyrs, a reçu en audience une délégation de l'Olympique Lyonnais Group. Cette délégation était dirigée par Laurent Prudhomme, directeur général, et accompagné de Cyril Groll, directeur du développement commercial, message tweeté de l'AG du Stade des Martyrs. OL Group, Olympique Lyonnais Group, est une holding française créée en 1999 principalement connue pour être le propriétaire et le gestionnaire des clubs professionnels de football masculin et féminin de l'Olympique Lyonnais et de leur stade, le Parc Olympique Lyonnais. Depuis juin 2022, OL Group est majoritairement détenu par Eagle Football Holdings, contrôlé par l'homme d'affaires américain John Textor. La société est actuellement cotée sur Euronext Paris, paraphée OLG. Les trois mots les plus importants en matière d'investissement sont marge de sécurité. Warren Buffett. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ Insport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.